On s'en va faire un petit tour à Elmer, dans le secteur Rivermead. Je vais aller vous montrer qu'est-ce qu'on peut acheter entre 500 000 et 600 000. All right, let's go! Hey, le soleil est sorti. Ça fait, je pense, quoi, 10 jours que c'est gris. C'est fun, là. Une couple de chiffres, comme d'habitude. Depuis les 12 derniers mois, à Elmer, au complet, entre 500 et 600 000, il y a eu 149 ventes. Avec un prix médian de 537. 37 jours pour qu'il y ait une vente. Dans les 12 derniers mois, juste dans le secteur, encore Elmer, mais dans le secteur Rivermead, c'est là qu'on s'en va, il y a eu seulement 9 ventes. Mais le prix médian est un petit peu plus haut, 550 vendus en 33 jours. Puis pour les 6 plus belles que j'ai sorties, entre 500 et 600 000 dans le secteur Rivermead, le prix médian est de 540, puis se sont vendus en 36 jours. Vous allez voir, c'est un secteur quand même incroyable, vraiment beau, puis quand même très en demande, ce qui explique que pas mal tous les prix dans ce secteur-là, Rivermead, sont quand même assez hauts. C'est rare des maisons pas chères dans ce secteur-là. Je vais aller vous montrer ça, direct là. À notre première maison. Il y a beaucoup d'arbres, là. OK. C'est une 1994. C'est vendu au top de notre fourchette de prix. Puis, elle a trois chambres à coucher en haut, une chambre à coucher en bas, deux salles de bain complètes, puis une salle d'eau. Là, il y a du bois franc partout, thermopompe centrale, vacuum central. La cuisine a été rénovée au complet, salle de bain rénovée au complet, nouvelle fenêtre, fait que c'est vraiment bien. Fait que c'est ça que ça a de l'air. Puis regardez le type de maison. On peut pas voir, il y a beaucoup d'arbres ici. Puis, tu as des types de propriétés comme ça aussi. Okay? On s'en va à deuxième. Numéro 2. Qui sont la même rue? Je vais vous la montrer, mais encore là, je vais vous la mettre d'un angle parce qu'il y a encore la pancarte du courtier. Elle vient juste de se vendre au top de notre prix, notre fourchette de prix. C'est celle-là ici, qu'on peut voir. OK. Fait que celle-là, comme je vous dis, elle s'est vendue au top de notre prix. Trois chambres à coucher en haut, deux salles de bain complètes, une salle d'eau. Elle n'a pas de voisin en arrière, c'est un gros plus. Puis un garage de 18 par 10 pieds à peu près, 9,8. Puis c'est rénové de A à Z. Et que le seul hic, c'est que c'est de la céramique puis de l'ardoise à grandeur, au complet, les deux étages. Fait que si t'as pas de bois franc ou t'as pas de plancher flottant. Il y a des gens qui aiment moins ça, de la céramique au complet, mais c'est ça que c'est. Fait que c'est ça que ça peut avoir de l'air un peu, le secteur. OK? Fait qu'on s'en va. Numéro 3. Voici le numéro 3. Regardez le secteur. Très tranquille, là. Puis ça, c'est une... 2009. C'est ici. Beau, hein? Elle a deux chambres à coucher au rez-de-chaussée, deux chambres à coucher en bas, une salle de bain, par contre. Climatiseur central, aspirateur central, il y a un gazebo dans la cour, un garage de 19 par 11,6, la cuisine, salle de bain originale, puis le sous-sol, il est juste rénové à 50 %, vendu sans garantie légale. Fait que c'est pour ça qu'elle s'est vendue en bas de notre fourchette de prix, entre 500 et 600,
En bas. Fait que c'est pas mal ça pour la troisième. Fait qu'on s'en va à la quatrième. Numéro 4, on va faire ça vite. Les voisins, les propriétaires sont là. Celle-là ici. Nice, hein? Regarde le parc en avant. C'est eux autres qui font du bruit là-bas, les poubelles qui s'en viennent. Oh, cool, ils s'en vont. Alright, on va pouvoir parler. Fait que c'est ça. Ça, c'est un 1999. Elle a 1000 pieds carrés. Deux chambres en haut au rez-de-chaussée, puis deux chambres au sous-sol. Elle a deux salles de bain. Puis elle a pas de voisins. Ben, pas de voisins. Elle a un headset grand, énorme en arrière. Fait qu'on peut pas voir les voisins, ce qui est cool. Système d'irrigation en avant. Puis la cuisine, salle de bain originale. À cause de ça, ça s'est vendu en bas de notre fourchette de prix. OK? Fait que c'est ça que ça a de l'air. Le secteur, très bien, dans le coin de Rivermead. Celle-là, en passant, s'est vendue en seulement 27 jours. All right, let's go. Numéro 5. À 2 secondes de l'autre. Vraiment pas loin. OK, c'est super tranquille. Celle-là ici. On peut pas trop la montrer, hein? Il y a un grand arbre en avant. Il était long. Okay. Et ça, celle-là. OK. Fait que c'était 2003. Elle a 3 chambres à coucher en haut. 1 au sous-sol. Elle a 2 salles de bain. Elle a pas de salle d'eau. Cuisine. Puis salle de bain originale, il y a l'échangeur d'air, la toiture, c'est une 2016, il y a du tapis au sous-sol, puis c'est pas terminé du tout. 50-50, je dirais, 50% terminé. Puis c'est un garage de 18 par 11, c'est ça le positif. Elle s'est vendue dans le milieu de notre fourchette de prix en seulement 16 jours. Fait qu'on s'en va à la dernière, numéro 6. Let's go! Numéro 6. Waouh, hein? 7, vous allez aimer ça. Avec ça. C'est beau, hein? Incroyable. OK, celle-là, je vais aller vous montrer. C'est une 2002. Elle a 1380 pieds carrés. 2 chambres à coucher à l'étage. 2 salles de bain au complet. Climatiseur central. Cuisine récente. Salle de bain originale. Le sous-sol, il n'est pas terminé. Puis un garage de 18 pieds de long par 13,6. Elle s'est vendue au bas de notre fourchette de prix en seulement 91 jours. Fait que c'est ça, ça a de l'air. Super beau, pareil. Ça vous donne un peu une idée de quel type de propriété que tu peux avoir dans le coin de Rivermead à Elmer Gatineau entre 500 000 et 600 000. Si tu aimerais déménager, emménager en Outaouais, Gatineau, Hall, Elmer, Buckingham, Masson, Torso, Chelsea, whatever, Val-des-Monts, appelez-moi, je suis là pour ça. On travaille 7 jours par semaine. Et pour ceux qui ont des plex, des propriétaires revenus, qui veulent plus s'en occuper, vous êtes tannés, au lieu des ventes, vous pouvez les faire gérer. Puis c'est ça que je fais. Claude Dumont, gestion immobilière Outaouais. En plus d'être courtier, on fait de la gestion immobilière. Fait que si vous avez des blocs, je suis là. Si vous voulez m'acheter, vous voulez en vendre, je suis là aussi. Fait qu'on va s'en voir dans une couple de jours pour notre prochaine vidéo. 3-4 jours à peu près. Et si vous avez des questions, je suis toujours là. Merci, bonsoir, à la prochaine.